14e dimanche dans le temps ordinaire dans l'année B. La foi, c'est une grâce nous recevoir dans le même bon Dieu. L'évangile aujourd'hui, hein, c'est ma qui raconte nous comment mon Nazareth a refusé de croire dans Jésus-Christ parce que on te connaît ces petites Marie et c'était un petit bon chapin qui était dans le pays Nazareth. Jésus dit, yon prophète joue un respect tout côté, excepté dans le pays et dans la famille. Parce que pour Nazareth, pas de dans Jésus-Christ, il n'est pas capable de faire un pile miracle dans le pays. Frère Maxime, on nous camper pour nous accueillir le président célébration. On nous chanter ensemble à chorale.
Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Bonsoir, Père. Bon mois de juillet à tout le monde. Merci, Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons tous que nous sommes pécheurs. Fermons les yeux, inclinons-nous tous. Entrons dans le silence de nos cœurs, demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Continuons à demander pardon dans le chant du Kyrie. Oh.
donner votre bonté à qualité des nations sans le recevoir. Le bon localité va attirer encore ta personne. Vous t'a dit enfin, Satan, envoyez votre thème pour empêcher ce qui est l'ordre. À trois fois, on a prié Seigneur pour maladie ça, on a demandé pour vous aider le Seigneur. Chaque fois, nous répondons. C'est pas même assez besoin, parce qu'il est ouvert, c'est le sang-mou, le pouvoir de la route. C'est pour être ça, mon conquérant, mon compagnon, sous faiblesse point pour pouvoir plus là, à noter en basel. C'est ça que fait, mon content rempli d'un sentiment fait, d'ailleurs, je m'aime. L'aime l'affliction, l'aime la persécution, l'aime la difficulté, l'aime absolu tout ça à cause de ça. Parce que les moins faibles, c'est pour ça que nous avons une force. Ça, c'est pour nous. Parce que Jésus, petit bon Dieu, a fait la même expérience là avec.
Jésus retourne à la caille. Il est arrivé dans le pays, côté tout le monde te reconnaît. On compte qui le premier bagage il dit. Ah! Ça va! Petit! Boss! Hein? Donc les hommes besoin de dégrader, on cherche ça pour les pipa bon, et puis la guerre sous d'eau. Vous remarquez? Jésus est Dieu, Fils de Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Jésus qui connaît exactement quelle réaction il va jouer pour la mort. Jésus qui connaît la retourne dans Nazareth, que ça y aura dit sous lui. Mais malgré tout, il allait dans la mort quand même. Jésus nous donne notre première leçon pour aujourd'hui. Sœurs et frères bien-aimés, il faut toujours faire face à ceux qui vous rejettent. Vous n'avez pas la bien, je reprends. Il faut faire face à ceux qui vous rejettent. Même si vous connaissez là, il y a un campé de moi, amen. Pas courir pour vous. Lorsqu'on est arrivé dans une situation, dans l'environnement, il y a un son, il y a un côté, on ne peut pas aimer, pas courir pour vous, même quand Jésus avance. Mais si c'est aussi, on peut manger. Il y a mangé, c'est l'éternel bio-chance. Pas courir pour vous qui a projeté. Pas courir pour vous qui pas aimé. Pas courir pour ça. Il faut faire face à ceux qui vous rejettent. À partir de ce moment, vous ne leur donnerez aucun prétexte pour pouvoir eux-mêmes dire « Oh, René, ça que fait nous pas très bien tel, il va se faire passer là, il est étranger, il va arriver là. Ça que fait nous pas très bien tel, et parce que nous pas jamais voir moi ici là. Ça que fait nous pas très bien tel, parce que nous pas jamais fait pour nous. » Pas mal de monde prétend ça. C'est pour avancer, c'est pour là, faire tout ce que vous faites, et puis vous gardez pour où ça va arriver. Souvent, quand il y a un tombé madame, et puis on sait pareil, ça fait tomber madame, et parce que pas faire manger pour moi, faire manger pour les mêmes pauvres à la l'église. L'homme est mesdames dans le besoin, il faut bailler mal, la chose prétexte quand même. Pas par les hommes, aucun prétexte. Ça y est, vous voulez faire qui mal là, quittez vous faire, mais vous-même, faites ce que vous faites. Pas courir pour personne. Même si vous n'êtes pas diable, avancez devant le diable, pour essayer de diable à manger. Mon Dieu, dans le ciel, là, dit, papa, il n'y a aucun cheveu sorti dans la tête aussi, les mêmes, il va pour qui ça vous fait? Pour ça vous courir, avancer, faire face à ceux qui vous rejettent. Il y aura eu, ça ne fait pas, mais ce n'est pas vous-même qui vous courez pour ça. Avancez! Et puis, ça que vous faites là, la fait. Maintenant, regardons ce qui est arrivé en deuxième lieu. Il y a des carrément, il dit, ah, le temps de faire miracle, le temps de faire ceci, faire cela. Mais quoi, ce petit boss charpente là, lié? N'est-il pas le fils du charpentier? C'est vrai que frère, on peut continuer la situation que les gens ont rejeté, que les gens ont gagné mal, on a gagné avec un lait, on a troisé. Et si on a un peu déshabillé de la tête aux pieds avec un regard seulement, on peut faire une expérience douloureuse dans la vie. Il y a des coups de Dieu, on ne peut pas retirer toute la question. Ça, c'est quoi une telle fête avec Boston? Il y a une pause, les gars. Il faut l'acheter caille. Dans le Boston, pour acheter caille, ça a fait plus de l'acheter caille. Moi, ça a beaucoup de misère, ma passe, ma sphère. Avant, il y a une telle définie, je tape le petit pièce caille dans ma maison là, mais quand il y a un petit livre de propos, il va nous faire business. Ma soeur, ou pas qu'on est qui ou n'est-ce qu'on a fait avec? Non. N'est-il pas le fils du charpentier? Mais vous ne connaissez pas que vous ne connaissez. Le Seigneur dit dans Psaume 73, verset 6, Psaume ça apprend pas qu'à ce que vous avez ici dans le pays blanc. Psaume 73, verset 6. Vous comprenez ça? Il dit le charpentier, c'est l'Éternel des armées qui a créé le ciel et la terre. Donc là, il dit Jésus, n'est-il pas le fils du charpentier? Il dit Joseph Larrier, mais vous ne connaissez pas comprendre. Oui, Jésus, c'est petit bon charpentier, oui. Mais il n'est pas le fils du charpentier, il est le fils du charpentier qui s'appelle l'Éternel des armées. En d'autres termes, en d'un critique là, en d'un parler mal là, en d'un mauvais géant, l'Éternel a levé la dent quand même. L'homme tout va être mal sous,
pas jouer peut-être ça. Mais même pas mon petit contre toi, mais parole ça, pour Dieu lever encore. Le monde dit de la propose, pour Dieu faire propose de manger là quand même, oui. Le monde dit ça, il était comprendre là, pour Dieu faire comprendre nos bagailles quand même. Ne vous battez pas avec ceux qui vous critiquent, avec ceux qui vous haïssent, avec ceux qui disent des choses à propos de vous. On va pleuver quand même, oui. Ça c'est frère bien-aimé. On va besoin de répondre. Non, l'homme ou non, non, l'homme on a critiqué, l'homme a dit mauvais paroles sur vous. Moi je fâche peut-être ça, non? Gardez, entrez en homme de mauvais paroles là et puis bon Dieu change les paroles là en bien, oui. Bon Dieu, quand vous prenez malédiction, là, ça me fait un tour de bénédiction pour lui dire, oui. Alors, n'est-il pas le fils du charpentier? Non, il est le fils du charpentier qui s'appelle l'Éternel des armées. Les gens bon non, pendant non bawa et puis virer sous bon Dieu, et puis bon Dieu a pris les causes. Quel que soit ça, on peut dire qu'il va dire. Maintenant, j'arrive à notre dernier point qui est extraordinaire. Jésus dit, nul prophète n'est jamais mal reçu que dans sa patrie. Jésus dit donc, mon qui peut parler, mais ou non, mon qui a fait plus jalousie contre toi, c'est mon qui peut connaître, mon qui le va faire là. Qui voit chaque jour, les pour continuer bénédiction, les même encore, les pas longtemps peut-être. C'est pas qu'on y a, non, bagaille ça passe, depuis longtemps, longtemps, bagaille ça existe. Vous avez dit que ça, mais si vous ne reconnaissez pas, si vous ne le va avoir, si vous ne bien avoir, au contraire, même vous êtes supposé content, si vous êtes béni ou pas, vous faites jalousie, vous n'êtes pas d'accord avec Jésus-Christ, quand vous proposez pour faire ce monde-là, ça vous dit comment l'été là, puis Jésus dit, c'est pas rien, c'est jalousie qui a fait. Il y a un pipito que c'est lui-même qui est prophète là. Il a saisi Marie avec Joseph, mon petit garçon, lui-même qui est prophète là. Et jalousie a fait. Pas saisi peut-être ça. Alors, même si je suis dans ce là, je dis, pour une raison ou pour l'autre, vous êtes capable de victime de jalousie et d'envie. Vous êtes capable de sauver que nos situations. Jalousie, mon, fait que on vit découragé, on vit crié, on vit pas continuer en guerre. Mais comme Jésus n'oubliait jamais, nul n'est prophète en sa patrie. On ne peut pas faire unanimité pour côté monde qui reconnaît. Depuis que nous connaissons, la toujours nous bagaille dans nous-mêmes, que ce n'est pas nous-mêmes qui pour dégager, c'est lui pour dégager. La jalousie existe. La jalousie a existé. La jalousie existera toujours. Mais nous-mêmes, assumer, apprendre, vivre avec. Et pas ça pour faire pour aller back. Et pas ça pour faire pour changer d'attitude. Et pas ça pour faire pour ne pas aborder. Et pas ça pour faire pour ne pas chelmer. Si l'Éternel veut au chelmer, gardez chelmer. Il y a jaloux, il y a toujours jaloux. Mais côté bon Dieu voulait aller avec moi, continuez à avancer. Pas jamais quitter aucune attitude, aucune critique, aucune quoi que ce soit de la part de quelqu'un ou des gens, vite transformer, changer, faire tourner l'autre monde. Qui est-ce que vous pouvez dire qu'il y en a qui vient trouver nos situations? Les concentrer tête, les fermer tête, parce que tellement monde a dit, tellement frère ça, tellement soeur ça, papa. Mais ça, c'est frère bien-aimé, ou pas qu'à faire rien contre ça. Monde, t'es mon jaloux, monde jaloux, je dis, et mon a toujours jaloux, parce que c'est un phénomène qui est presque naturel. Sorgueille, mon a toujours mis ses lignes pour ta guerre. Sougon bel kay, moun nan bon ti kondominium ta pito se li pou te gen kay la. Ou pa ganyan ou ka fè pou sa. Ou pa ka di pa achete kay, paske tout moun yo, si m'achete kay la ya la yi. Si pa pou moun yo achete kay la, se bon Dieu ki beni ou, bon Dieu fò retitu, ou ki vie pou kay la, gloire à Dieu. Mais ou même, quelle que soit situation, quelle que soit face ou bagay la vire, mais dans tête ou, ça a toujours existé. Des gens qui baptisent, des gens qui baptisent, des gens qui kebel dans cœur, des gens qui gardent avec jalousie, avec envie, qui parlent à l'autre monde qui baptise ça. Des gens qui ont courage, qui ont avancé devant, qui ont tout lu. Mais que vous dites, que vous ne dites pas, mais dans tête, tout ça a toujours existé et que ça va changer l'attitude. Que ça va faire tout dans l'autre monde. Que ça va faire fort, ne pas faire effort encore. Que ça va faire ou pas vivre, on a dû vivre. Je reprends. Le bonheur n'a pas à se défendre. Tu es heureux, c'est une grâce de Dieu. Tu es béni, c'est une grâce de Dieu. Entrez dans votre bénédiction, entrez dans votre bonheur, entrez dans le cœur content. Et puis, reste bagaille, quitte l'Éternel, deal avec lui-même. La jalousie a toujours existé, la jalousie existera toujours. Pas étonné pour lui, on se bat au café, apprendre à vivre avec. Que bon Dieu bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous debout pour proclamer notre foi. Je crois
Thank you.
Seigneur qui annonce de la grâce divine, qu'elle avance avec confiance vers le martyr de son vainqueur. Permet également, Seigneur, pour elle, pour chacun de nous, permet avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les élèves qui ont vécu dans le métier, nous allons voir la vie éternelle et que nous finissions dans le monde par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
comblé de ces grands biens, nous te supplions, Seigneur, fais que nous retirions les fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.